Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Je tourne la petite intro là, la veille du départ. Donc nous on part, c'est demain matin qu'on part. Mais vu que je sais d'ores et déjà que j'aurai beaucoup de mal à me lever, ça sert à rien que je fasse l'intro dès le matin. Je me suis dit je vais la faire la veille, comme ça au moins tout est carré. Du coup aujourd'hui les gars, petit déplacement du côté de Rouen, voilà, Lasruq exactement. Là on est parti pour 4h30, je pense, aller-retour de bus, ouais, ça fait à peu près 9h de bus. 10h sur compte des pauses, etc. Donc, voilà, ça va être c'est comme quand on est en déplacement à chaque fois, ça va être une journée un peu plus bus, quoi. Bon, allez, moi je vous laisse avec l'intro. Et moi je vous dis à demain matin. Voilà, allez, c'est parti. Ah. 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 Monsieur. Monsieur. Ah, bonjour. Monsieur. Tu connais pas ça toi, c'est vrai? Non, c'est quoi ton truc là? Mais c'est ça qui est bien quand tu reviens un peu toutes les 2-3 fois, il y a une nouvelle surprise. Je vends de la caméra des rock'n'vlog. Salut, ça va? Vous êtes prêts pour le nouveau Rec & Co? On dira mon titi. Ça va. La choupé. Salam alaikum. Bonjour. La sœur de Randy, elle est vraiment méchante. Cadre bien ta tête. Cadre bien. Comme ça? Petit message. Attends. À ma sœur. Ouais. Ma sœur, elle a dit qu'il n'était pas drôle sur les vlogs. Ouais, tiens. Allez, raconte une blague. Raconte une blague. Partage pas le truc, surtout. Vas-y, raconte une blague pour prouver à ma sœur qu'elle a tort. Le saviez-vous que Omar Sy n'est pas vraiment une scie? Ok, il est con. Il est pas drôle. Et si, en plus, il est bon. Vas-y. Monsieur et Madame Barr ont un fils, comment s'appelle-t-il? Je sais pas. Lenny, parce que Lenny Barr. Oh, c'est la blague de 7h du matin. Bon, fais pas le genre, là, toi. Tu vois, on commence comme ça et après on va toucher le sommet. Ah ouais. Fin de soirée, je monte ma bite. Monsieur et Madame Chon ont un fils, comment s'appelle-t-il? Dans 2 heures pour Andy. Lenny Chon. J'ai dû expliquer, vous comprenez pas. Je t'avoue que j'avais pas vu venir celle-là. Pierre, blague. Bonjour. Il est trop tôt. Beaucoup trop tôt. Moi j'ai une blague, moi. Vas-y. Pourquoi en Corse il y a beaucoup d'arbres? Je sais pas. Mais parce qu'il y en a beaucoup des Corses. Allez, ça va. Elle est intelligente. Tintin, une blague. J'en ai pas maintenant. Moi j'ai une blague. Vitré est beaucoup trop fort. C'était marrant. C'est la belle blonde au croissant. Yo! Bonjour. Ça va? Allez, toi. On travaille. Le mec de mes potes, il est méchant à la sauce. Aussi, je me chope. On a un ramassage spécial, nous. Ils sont partis me chercher à l'EHPAD. Bonjour, on sort de l'EHPAD, on est bien. Ça, c'est pas fun. Là, c'est chiant, c'est rien, je vais l'enlever. Ouah, non, ah ouais, mais là, monsieur, je pourrais pas jouer là. C'est les yeux qui sont mous. Comment tu fais pour. Et qui s'est perdu d'entre là et. Bon, on est parti. Direction Rouen. Il y avait quand même 100 mètres à faire à. Oh, il vient de se lever 100%. 50 euros d'amende. Vas-y, glisse. Je te sers à un moment, mais oui. Tous à Tenerife. On part à Tenerife, vous serez Dédé. C'est Dédé bon, du coup. On part enfin parce que Dédé est en retard. J'espère qu'il est dans le vlog, c'est là. C'est Dédé. Ok, voilà, on part en c'est parti. Bonjour tout le monde, j'ai fait mettre au manqué d'armes. Tout.
Vas-y, joue. Ah ouais, mais c'est même pas amant d'orthographe. C'est vraiment pas drôle. Je suis la barre, moi. Je sais pas, moi. Toute triche sera punie. Personne joue ? Non. Si, moi, je peux. Le beat d'abord. Vous pouvez pas jouer. 3, 2, 1. Vous touchez la bite. Parce que il y a des cartes. Oh, là, joue. Premier degré, je savais même plus que t'étais la manure. Ah, ok, d'accord. On a mis les cartes. Joue. Bonjour Julien. Ça va Quentin? Comment tu vas? Ça va, comment tu vas? Un petit mot sur notre départ plus qu'à l'heure? Notre départ retardé? Ouais, on verra ça la semaine prochaine. Ça va piquer dur. Oh non. Oh merde, j'aurais pas dû parler. Voici le traditionnel pipi du chauffeur. Bonjour papa, bonjour maman. Passe à la télé. Passe à la télé. C'est l'heure de la pause pour manger. On va tous manger là. Il pleut. C'est la jungle, c'est la tempête ici. C'est la tempête. Aidez-moi. Bonjour. Where is Kawa? Oh, bonjour. Oh la vache, il pleut. Tant de merde. Il pleut, hein, gros. Ah, ça va pas le 26, hein. Ton sac, Ewen? Ouais, c'est bien, ouais. T'as nul, bien pour le reste. Je sais pas ce que t'en penses, mais il fait pas très beau. Hein. Ça va, un temps normand, quoi. Un temps à la con. Ouais. On va les remplir. Ou pas. Qui a osé dire qu'il faisait beau en Normandie? Je sais pas, c'est un con. Avant de retard. Pourquoi retard? Ah parce que, pour une fois que je suis à l'heure. Monsieur, ça, ils ont pas des chaussettes s'il vous plaît. Allez, midi 36, dans une heure, coup d'envoi. Tu fais vachement mon zizi pour quelqu'un qui est dans mon On dit, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on vient de faire? Alors là, on fait de la mobilité. Typiquement ici, c'est pour les biceps. Ouais. Ah. Heureusement que tu travailles pas en sport, mon grand. Le train, ils vont s'entraîner, ils pensent même pas au bouclier. Heureusement que le président il est là pour penser aux joueurs. T'en penses quoi de Randy président du Rock de Bru? Franchement, t'en penses quoi? Moi j'en pense que le mec se branle trop. Voilà. Voilà. Je t'avoue que j'aime bien me faire ça. Est-ce que tu peux nous faire un petit point météo pour cette rencontre de Fédéral 3B aujourd'hui? Cette rencontre entre l'Azuruc et le Roc de Bru. Un temps partiellement couvert et pluvieux, même si mon petit doigt me dit qu'il va... 13h30, tout doit s'arrêter afin de jouer dans des conditions optimales pour un match de rugby. Voilà, nous en saurons plus tout à l'heure. À vous les studios. Oh là là! Sur la main! Tiens, Alex! Allô, Paul! Oui, mec! Petite danse, salaud! Petite danse, salaud! Lâche! Allez, mettre de la profondeur! Ouais, tu m'as vu? Ouais, attaquer les duels, ok! Nico, les Taïlands en défense, putain, ça grand que de bois! Tu bottes plus! Humilité! 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 Allez!
Les cauchemates, t'es trop fort. Allez, bon doigt. Et le chaos. Oh, la percée. Mais qui va être trop fort, je jure. Oh, le drop de zinzin. Oh, le drop de chien. Commotion, j'annonce commotion. J'annonce commotion. Oh, la relance. 50-22. Oh, 50-22, je le vois d'ici. Ça roule, monsieur. Oh, c'est faux, le duel. Bon, rebonjour à tous. Petit problème technique, on avait perdu la caméra. Donc là, le match de la B est terminé. On a gagné, bien sûr. Y a quoi, c'est quoi le score? Du coup, c'est pas ouf je sais pas. La vidéo. Ouais. On a gagné avec le bonus offensif, voilà, 5 points, trop bien. Moi je suis content, j'ai mis un petit doublé, je suis content. Doublé de Cantano, c'est incroyable. Ouais. Ça, et donc là, deuxième mi-temps de la une, qui perdent, il y a combien? Il doit y avoir 11 ou 13 à 3. Donc voilà, on garde espoir, objectif ramener 8 points à la maison. C'est encore possible. Oui. Bien, allez. Bon, mon petit Kélé, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, bien, déçu, on pourrait faire plus, hein. C'est pas une équipe, c'est pas une grosse équipe, on peut les défoncer, franchement. Ouais. Et on joue pas rugby là. On a un grand potentiel. On perd tout seul. Oui. Ouh. Voilà. Et avec l'aide de l'arbitre, bien sûr aussi, mais. On a un grand potentiel, il faut utiliser là. Bonjour Baptiste. Ça fait quoi des tâtés? T'as pas trop envie de jouer là? Si. Là c'est pas qu'est-ce que je fais là. Tu reprends quand? Semaine prochaine. Voilà. Prochain vlog, tu seras joueur. Bah oui, je serai joueur. Et premier essai? On verra. Abonnez-vous et likez. La bagarre! Il a pas été courageux du match! Et c'est pas un mec avec des collants qui va nous apprendre le rugby! Eh oh! Blanc,
C'est marrant, ils vont beaucoup moins venir vers moi, vers la caméra, tu vois. Non, mais moi, tout ce que je trouve marrant, c'est que quand Quentinho est plus sur le terrain, ça gagne moins. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Confiant même, c'est que je tire là-bas et par bien, c'est bon, c'est par à gauche, par à gauche, mais j'étais plus confiant sur mes frappes et juste on score pas la première mi-temps. Première mi-temps, on est dedans, on fait plutôt des meilleurs, la deuxième, après on s'est chié dessus. Allez, Nico ! Et pour la suite, il est venu. Ok, ça va aller vite, de toute façon il n'y a pas grand chose à dire. Félicitations à l'abbé, très belle victoire, très belle performance. Ok, là il y a du boulot. Ok, et surtout là-dedans. D'accord, et là-dedans. Ok, on ne peut pas passer à côté comme ça. C'est le match qui est important. D'accord, il va falloir se remettre au boulot, se remettre dans les gisins. D'accord, j'ai rien dit jusque-là, j'attendais de voir le match. Et voilà, la suffisance qu'il y a eu les 15 derniers jours. Ok, les retards aux entraînements, les retards au match, les retards au match, ainsi de suite. Voilà, les conneries. Certains ils sortent, machin, bidule chouette. Voilà, ça se fait cash là. Et ouais. D'accord ? Donc il n'y a rien d'autre à dire. On a pris un bouillon dégueulasse. On était incapable de se faire deux passes. Incapable de rien. Arrêtez de vous mettre des cailloux dans les chaussures. Arrêtez ! Jouez ! Quand on vous demande des consignes, regardez les retours, les machins, les bidules. Regardez, faites-le. Si on se trompe, c'est nous. Mais là, on ne peut même pas dire si on s'est trompé ou quoi. Vous avez failli. Collectivement, surtout. Ça arrive. Maintenant, il va falloir rebondir. Okay, il va falloir se regarder et se dire les choses. Soit on va la chercher, cette quatrième place, soit on dit stop dès maintenant. Hein. Et on passe à deux entraînements, tranquille, hein, ok, et on prépare la suite. Hein. D'accord ? Je veux une réponse mercredi. Ok, leader ? Ok. On balaye tout comme il faut. Les blessés, vous venez me voir, s'il vous plaît. Juste les gars, le seul point positif, c'est qu'on est déjà rebondi. Les blessés. Allez, bien lavé. Venez me voir, c'est des blessés. Ça pète la ruche comme dans le quart. Je veux dire, on boit quand même. On boit quand même. Bon allez, il est à peu près 18h. C'est parti. Départ du bus. On attend tout le monde, on part. Bonjour. Bonjour. Je suis fatigué, j'ai trop le seum. Pas moi. Ok, je peux prendre la place de Colline ce soir dans ton lit. Allez hop 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 messieurs. Messieurs, on accélère le pas, il est l'heure de rentrer à la cassa. Oh, ça a l'air compliqué. Oh, ça a l'air compliqué. On joue ça comme un chef. Ouais. Tu fais trop la star, toi, vas-y. Prédiction, homme du match et Wimbledon. Alors, on commence par l'abbé. Romain. En homme du match, nous avons trois nominés. Premier nominé, Quentin No. Pour son sens du timing et sa capacité d'adaptation sur des passes des disons assez variées qui lui valent un doublé aujourd'hui. C'est moi. Deuxième nominé pour les hommes du match. Et là, pour son activité et son essai en bout de ligne, synonyme de bonus offensif et sa répartie dans les tribunes pendant les matchs de la une. Bravo Ella. C'est ça mon frère. Nominé numéro 3, Max Ferriz, pour son courage qui tutoie la folie sur le gros 6, lancé depuis le R3, avec une certaine couleur. Max Ferriz qui nous, ça nous fait une petite transition vers le Gogol d'or, on verra après. Pas de spoil. Est-ce que les hommes du match viennent se présenter et faire un petit discours avant qu'on vote? Allez, discours. Discours. Alors, Quentin No. Le discours. Alors bonjour, je m'appelle Quentin. Bonjour Quentin. Alors, t'es vu sur YouPorn récemment, c'est ton frère. C'est de la famille, c'est pareil, c'est une histoire de famille. Tu m'en animalier. Alors on est beaucoup dans la ciné. Du coup, voilà, deux occasions dans le match, on m'annonce deux verres.
Sauf que moi je sais que Framboise n'a pas forcément la longueur de passe de Randy. Du coup j'ai jeté. C'est légitime. Plus sérieusement, franchement, j'ai été servi deux fois magistralement par Framboise, une fois avec beaucoup de chat, je l'avoue. Mais après j'avais juste à rentrer dans le trou et aller au fond quoi. C'est pour ça que c'est une histoire de famille, voilà. C'est... Oui, tu as tout appris. Bravo Quentin, bravo. Elan, viens donc pas là, Elan. Mon frère, mon frère. Peace. Bonjour, moi c'est Victor. Non, laisser en bowling, c'est beaucoup grâce à Paul parce qu'il m'a dit appel à gauche, appel à gauche. J'ai appelé, la balle est arrivée, j'ai marqué, c'est tout. Eh, hey, t'as oublié de dire que t'avais une note devant toi aussi. C'est ça, mon frère. Oh, hey, t'as enterré une neuf. C'est son frère. Let's go. Allez, Max la menace. Max la menace. Max, Maxime. Bonjour, Maxime. Je suis d'extrême droite pendant que je fais. Gardez la ratée. Non mais je me suis fixé mission de plaquer un gros 6 et j'en ai fait. Ah ouais, gros 6 ou quoi? Ah gros 6 ou pas? Alors on va passer à l'élection. Manu quitte le club, Manu quitte le club, Manu quitte le club, Manu. Et il emmène Randy, et il emmène Randy. Pour l'élection des hommes du match de la BD, pour Quentin No. Moi je dirais égalité. Égalité. Il a 3 hommes du match. C'est plus Max Prime, c'est Max El Fachon. Bravo Elan, bravo Elan. C'est fait le tour à la fin. La famille va être contente. Pour les gogoles d'or de la baie. Donc on est en pleine transition. Donc c'est Max Prime pour son intervention très borderline en sortant des tribunes. On veut l'ensemble. Voilà, donc il dit devant toutes les tribunes de Rouen. Ah là là, putain, le gros noir, je l'ai bien plaqué lui. Donc il fait froid, il fait froid en Normandie, mais on a perdu 10 degrés d'un coup. Deuxième nominé Gogol d'or. Toujours c'est flûte, ça s'enchaîne bien. Kelly. Ouais. Pour, c'est pour son apprentissage très laborieux du rôle d'athée. Ouais. Qui a mis à peu près 3 minutes à apporter chaque tir. On est là pour ça, mon frère. Troisième nominé pour le Gogol d'or. Logan. Le daltonien des couleurs. On annonce des couleurs, il y en a une sur deux de bonnes, je crois. J'appelle en vert, il fait une noire. J'appelle en bleu, il fait une noire. J'appelle en noir, il fait une vert. Logan ! Et je vous parle pas de l'amplitude de la hauteur de ses passes, mais bon. Quel est pour son discours sur son rôle d'athée, ton ressenti, ton analyse et ton autocritique? C'est des pas fringues. C'est vrai, mais... Moi, je te soutiens, moi. Non, rien à dire, franchement. Et stage découverte à côté des coachs, hein, rien à dire. Hein. Voilà, okay, c'est bien. Voilà, moi je suis. Voilà. T'as autant de remises en question que la une aujourd'hui, c'est bien. Max Ferriz, un petit discours pour le. Elle fait chaud. J'étais complètement factuel, j'ai plaqué en gros, et malheureusement. Enfin, malheureusement. C'est ma faute? Non! C'est ma faute! Bon, on va pas spoiler, on va quand même faire l'applaudimètre. Pour Logan le Dalton. Ouais, on est deux! Pour Kelly. Bon! Et pour Max la menace de fasciste! L'équipe entière. Donc nous avons en numéro 1 évidemment Dédé pour son retard de 30 minutes ce matin. Ouais, voilà. On va tourner. Ensuite nous l'équipe avons... entière. Nous avons Victor pour sa pleureuse en fin de match avec monsieur l'arbitre. Et enfin nous l'équipe avons entière. L'équipe entière. Oui,
1000 pour le air plaquage et la blessure de Titouan. Et Dédé, ça marche. Dédé va faire enculer. Dédé va faire enculer. Dédé va faire enculer. Dédé va faire enculer. Fermez vos gueules, merci. Bah bonjour, moi c'est Dédé. Bonjour Dédé. Pour la faire courte, la semaine dernière j'avais 44 minutes de retard, je voulais faire mieux, j'ai fait 53 ce matin. Allez mon BFF. Bonjour, je m'appelle Hélin. Bonjour Hélin. Bon, pour la pleureuse sur l'arbitre, bon, c'est affreux. J'apprends, hein, mais voilà quoi, mais... Fais l'action. En gros, je reçois un peu la balle vers l'arrière. Du coup, la balle va... Le ballon... J'étais en avance aussi. Le ballon va vers l'arrière. Bah, je dis, c'est bon, ça joue. Écoute-moi, en avant. Bon, déjà, le match, il était pas ouf. On a fait un gros match de merde. Mais je suis désolé d'avoir pris une pénalité sur ça. Voilà. Bravo, il a bien parlé. Assieds-toi. Bon, on va passer directement à la petite messe. On passe direct à la petite. Et pour Dédé. Et pour Victor. Bah c'est Will, il est en train de dormir. Et pour Andy, bon, va. Non, arrête. Et pour Andy. Moi j'ai rien entendu là-bas, hein, donc. Cul sec. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Égalité. S'il te plaît, gros zoom sur la tête de Victor. Il n'y a pas égalité, je lève mon bras avant. La barre, si vous voulez. Ok. Moi, président, il n'y aura pas de foucave comme ça. Moi, président, on change de club, c'est les Barlou Rock Brusois. On s'en pas. Assez. On voit que ton téton là. Pas de problème, vas-y. Des aides. Attends, Randy, regarde. Attends. Là, tu vois, s'il te plaît. Herbe de premier. Non. Attends, mais je vois pas avec le flash. Les clés du club. Eh ben, merci. Voilà. C'est cool. Non, mais Attends, président, du coup, vu que la B a gagné, il y a un fût pour la B. Vu que la B a gagné, il y a un fût pour la B au club. Ça se dit hype. Ah, mais lui, président pour l'instant encore. Et il paye son feu pour la paix. À partir de lundi, je suis président. Oui, c'est quelques victoires encore. Eh ben, on n'est pas encore lundi. Hein.